alors, troisième jour de ce festival Hype Oik. Alors, Hype Oik. Alors, pourquoi le choix de l'Occitanie pour le premier festival? Alors, premièrement, on est à Occitanie. Deuxièmement, on aime l'Occitanie. Troisièmement, j'aimerais beaucoup parler occitan. Un jour, ça va venir, ma prof va s'identifier quand je dis ça. Non, mais sérieusement, l'Occitanie, c'est un territoire qui est culturellement très, très riche. Mais malheureusement, dans ces formes de danse, il n'y a pas vraiment de possibilité pour les artistes de s'exprimer. Ce qu'on témoigne ici, c'est malheureusement une fuite des talents. Dès que les personnes se sont formées à un certain niveau, ils et elles partent à Lyon, à Paris ou ailleurs, et pas ici. Il y a un manque de diffusion, il y a un manque de circulation des œuvres également. Vous avez des compagnies de Montpellier de qualité qui ont tourné à l'Opéra de Paris, qui n'ont jamais été à Perpignan. Vous avez des compagnies à Toulouse qui n'ont jamais été à Montpellier. Il faut changer cela. Et donc on se dit, on va le changer nous, en mettant en place un festival qui est certes un pilote à Montpellier, mais qui dès l'année prochaine, on souhaite qu'il se développe sur toute la région en fait. Alors, qui est ce charmant jeune homme qui est à côté de toi? Il a une parole, il va parler de suite. Siaka Koulibaly, que nous sommes très heureux d'accompagner dans le cadre de notre incubateur qui s'appelle Cam Incubateur. Notre bureau de production Cam In Action travaille également sur l'accompagnement des artistes en émergence. Siaka n'est pas un artiste émergent, mais il est émergent en France. Siaka. Alors, tu danses aussi? Oui, bonjour. Moi, c'est Siaka Koulibaly. Et oui, je suis danseur. Et parler de dire que je n'ai pas de mots pour l'exprimer, c'est vraiment une porte pour pas moi seul. Il y a des tas de danseurs qui l'accueillent, qui l'accompagnent. Quand il arrive, il s'oublie, mais il accompagne des gens. Ce qui fait de moi que j'arrive à m'installer beaucoup plus à Montpellier. Et c'est vraiment un baobab de... Pour moi et pour nous tous, il accompagne beaucoup les jeunes immigrés aussi, les mineurs aussi. Et voilà, j'ai pas les mots. Je veux rajouter, on est une forêt de baobab. Il faut parler d'Anne-Marie Porras, voilà. Epsidance, ouais. Qui est une école généreuse. Anne-Marie permet à beaucoup de gens de se former, aussi les gens d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour nous, c'est essentiel en fait. C'est tout simplement apporter de la fraîche ici dans la région et aussi faire rayonner la région ailleurs. C'est du mouvement des va-et-vient en fait. Et donc, que ce soit Anne-Marie Porras avec son école, hier Balthazar qui nous a ouvert les portes du chapiteau, c'est essentiel de créer ce croisement-là. Ouais. Siaka en a une preuve aussi dans ses formes. Il a dansé également dans les danses dites urbaines, afro-urbaines. Il travaille aujourd'hui dans la performance. Il était l'autre jour à la galerie de Fatoumata Diabaté également. Siaka, c'est une artiste, on est très honorés qu'il nous accompagne parce que l'accompagnement est réciproque. On apprend beaucoup avec Siaka également. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis le baobab, c'est un arbre fabuleux. Oui, c'est très, très beau. Alors c'est vraiment dommage hein, que cette région ne mette pas en valeur cette culture du hip-hop, parce que franchement, on vient de voir deux démonstrations absolument extraordinaires. Ouais, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Alors juste, je veux quand même payer respect à tous celles et ceux qui organisent des événements hip-hop. Le hip-hop, il existe, nous avons même un réseau hip-hop ici dans la région. Le hip-hop, il est vivace. Moi, je parle surtout de la représentation scénique. Pour aller au théâtre, en fait, ce n'est pas pour une élite, les théâtres, c'est pour tout le monde. C'est ce que nous montrons également. Vous avez une représentation, vraiment une diversité humaine sur scène. N'importe qui peut s'identifier avec les personnes sur scène, c'est essentiel. Et nous travaillons beaucoup également avec dans les réseaux d'éducation populaire, de la jeunesse. Et nous intriguons également les jeunes pour venir au spectacle et pour comprendre c'est fait pour eux, en fait. Le théâtre est pour tout le monde. On est dans un service public. Nous sommes très, très heureux de ce partenariat avec le département de l'Hérault et d'être dans un lieu du service public qui est pour le public, non seulement le public du théâtre, mais de la population et de la société dans son intégralité.